Hey yo les amis, c'est Génétique et on se retrouve pour cette série sur GTA. Donc, je sais que beaucoup de personnes attendent ça. Donc, je vais vous parler d'un sujet très important sur GTA V, le nouveau opus, le cinquième opus de la série Grand Theft Auto. Donc, un jeu très attendu. Donc, c'est vrai que la question de la date de sortie s'est énormément posée. Il y a eu beaucoup de fakes, de rumeurs. Mais aujourd'hui, je fais cette vidéo officielle. Semi-officiel, je veux dire. Ça, c'est des rumeurs, mais si vous voulez, c'est le plus officiel des rumeurs que je puisse vous proposer aujourd'hui. Donc, tout simplement, comment s'appelle Rockstar, par le McNamara, donc Andy McNamara, c'est le rédacteur en chef de Game Informer, aurait annoncé que le trailer. Il y aurait des nouvelles informations qui devraient sortir le 1er novembre, entre le 1er novembre et le mois de décembre. Donc on s'attend à un deuxième trailer de cet opus de GTA V ou alors une date de sortie éventuelle. Mais c'est pas possible, enfin c'est pas tellement. Enfin c'est peut-être possible, mais en tout cas la date de sortie n'est pas cette année, ça c'est sûr. Personnellement je le sais. Elle ne sera pas non plus en mars, ni en janvier. Hein, c'était les deux dates qui auraient été dites. Donc, il faut savoir que déjà, le jeu GTA V a pris du retard. Pour ceux qui voudraient savoir combien de retard il a pris 3 mois et demi de retard. Entre 3 mois et 5 mois, on ne sait pas exactement. Information, la date était particulièrement. C'était une des toutes premières rumeurs en janvier. Moi, j'avais eu des infos officielles comme quoi le jeu devrait sortir en mai. Et c'est vrai que cette info est peut-être la vraie info, tout simplement. Je vais m'expliquer dans quelques instants. Alors, déjà, j'ai pu regarder les fakes, les rumeurs. J'ai pu demander bah, tout simplement en magasin, chez des vendeurs gaming, gamers. Donc, Game, Micromania. Voilà, enfin ce genre de magasin. J'ai posé des questions chez les journalistes de Rockstar qui ont répondu à des anglophones. Donc avec ces informations-là et une deuxième partie d'information, une information en rapport avec tout simplement le trailer officiel de GTA V, on peut déterminer la date de ce GTA V. Donc je vais m'expliquer. En analysant le trailer de GTA V, vers les 54 premières secondes du trailer, on peut observer, sur la vidéo, 24.05, donc 2405. C'est à côté d'un trottoir, enfin c'est sur un trottoir, entre plusieurs maisons, et donc si vous voulez, 24, ce chiffre, ce nombre de 2405, vous l'aurez certainement compris, ça peut-être définir la date, tout simplement 24.05. Il suffit juste de séparer et on obtient 24.05. Donc 24.05, est-ce que ça voudrait dire le 24 mai? Donc après le 24 mai, il n'y en a pas 10 000. Tout le monde sait que le jeu va sortir en 2013, donc ils vont pas forcément mettre 13 à côté. Pour officialiser un peu plus ça et à la fois rajouter un peu de suspense, on pourrait s'attendre à ce que le jeu sorte en mai. Moi particulièrement, je suis presque sûr que ces infos sont réelles, que le jeu sortira en mai. Donc on peut déterminer le mois. Le mois, ça sera le mai. Après, le jour, je pense pas. Est-ce que c'est une coïncidence ou tout simplement une vérité que le jeu, enfin que dans cette vidéo, il y aurait une durée. Enfin, on pourrait déterminer par rapport à ce chiffre, je sais pas, mais c'est possible, hein, c'est déjà arrivé. Et donc, deuxièmement, en regardant ben, tout simplement le trailer, on peut écouter une musique, la musique tout simplement du trailer de GTA V. Donc, c'est qui est interprété par le groupe Small Face de l'album Hot Gun Not Gun Flake. Donc, c'est un album qui est sorti le 24 mai 1968. Et donc, vous m'aurez peut-être compris, la coïncidence est que, encore une fois, cette musique est sortie en mai et le 24. Donc, est-ce que le jeu pourrait sortir officiellement le 24 mai? On n'en sait rien.
Dans tous les cas, ce n'est pas officiel, ce sont des rumeurs, ce sont des analyses faites sur ce trailer. On n'a pas d'autres informations, donc pour l'instant, c'est la seule chose que je peux vous dire. Après, en magasin. En magasin, moi j'ai demandé, on m'a dit mars et janvier, c'est les deux dates qu'on m'a dit. Et il y a une personne qui n'a pas voulu s'exprimer, qui m'a clairement dit, je ne peux pas dire d'informations sur le prochain opus. Donc, je n'ai pas d'informations. Voilà. On m'a dit janvier et mars. En attendant, il a eu du retard. Donc, étant donné qu'il a eu du retard et qu'il serait programmé en mai, la date officielle serait entre mai et pratiquement la fin de l'année. Voilà, donc ça c'est la date officielle du jeu GTA V. Donc normalement il devrait sortir dans ces eaux-là. Donc après, est-ce qu'il sortira le 24 mai prochain? Eh bien ça on le verra, on aura certainement des informations. Car le 1er novembre, le 1er et le 2 novembre, on va avoir des informations d'un rédacteur. Enfin, il va y avoir des nouvelles informations sur les jeux gaming Rockstar. Et en plus de ça, il va y avoir le rapport, enfin les factures des jeux. Donc, est-ce qu'ils vont parler du bilan financier de GTA V peut-être? Ça permettra d'avoir quelques informations dessus. En attendant, cette vidéo s'achève. C'est la première épisode de cette série d'infos officielles sur GTA V. J'espère que vous avez bien aimé. Il y aura bien sûr d'autres vidéos. Donc vous pouvez voir aussi la toute première vidéo qui s'affiche maintenant, donc le lien de cette première vidéo. Et vous pouvez aussi voir dans la description, donc juste en dessous, il y aura des liens, donc des séries. Et ça sera expliqué, ça sera le nom des séries de ce que je présenterai, avec le lien pour aller voir la vidéo. Ça vous évitera d'aller regarder sur toute ma chaîne. Si vous voulez être au courant également des prochaines vidéos sur GTA V, ben, abonnez-vous tout simplement. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Et puis j'aimerais aussi agrandir l'audience de cette vidéo. Donc merci de commenter pour me dire ce que vous en pensez. Dites-moi, j'aimerais bien savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez que oui ou non, ça pourrait se faire le 24 mai. Et après aussi, likez la vidéo et partagez-la et mettez-la dans vos favoris pour augmenter la popularité et l'audience de cette vidéo. Voilà. Donc écoutez, je vous dis bonne fin de semaine. Hein, c'est bientôt les vacances. Donc bonne fin de semaine. Pour certaines personnes, ce sera les vacances ce soir. Hein, voilà. Donc écoutez, je vous dis bonnes vacances à vous. Et puis en attendant, regardez toutes mes autres vidéos car des vidéos vont arriver très très vite sur GTA V. Allez, ciao tout le monde. C'était Génétique.